Oyez, oyez la populace, je vous déclare que l'épisode 5 est désormais disponible. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care. Salut à tous les amis, aujourd'hui après la dernière vidéo qui vous a extrêmement plu et vos nombreux messages de soutien, j'ai décidé de vous refaire un épisode sur l'émission Next Made in France. La semaine dernière on a fait une 9ème des tendances avec plus de 100 000 vues en moins de 24 heures. Je te cache pas que j'étais un peu comme ça. Je ne comprends pas. Vraiment pour ça, merci mes bestas, je vous kiffe plus que tout, TMTC, je peux que d'être pour vous. Ok. Du coup si tu kiffes comme d'hab, tu likes, tu partages et surtout tu m'envoies des dons sur PayPal. Et après bah c'est à peu près tout je crois. C'est parti. Salut, moi c'est Cindy, j'ai 22 ans. Alors enchantée Cindy, c'est un réel plaisir pour moi de faire ta connaissance. Je cherche un mec grand, brun, musclé et surtout avec du caractère parce que Cindy ne se laisse pas souvent faire. Je suis esthéticienne, donc si t'es pas beau, c'est pas la peine, ce sera next. Juste, excuse-moi de te déranger, mais c'est quoi le rapport là? Tu sais, c'est un peu comme si moi je disais: je suis plombier ma belle, donc si t'aimes pas les gros tuyaux, ce sera next. Salut Vincent, 24 ans, infographiste. Si tu es comme les nuits d'été, très chaude, on va bien s'entendre. Frérot, juste ta phrase d'accroche, un conseil, change-la. Et en plus ta côte elle est tournée dans une pub pour un parfum Yves Saint Laurent là ou quoi? S'arrête jamais. Yves Saint Laurent. Salut, moi c'est Royce, 21 ans, basketteur, footballeur, hockeyeur, rugbyman, bref, en gros, j'aime les ballons. Donc j'espère que t'en as de beaux. De beaux. De beaux. De beaux. De beaux. De beaux. Ok, j'arrête, j'avoue c'est chiant, mais là on tient une perle les amis. Basketteur, footballeur, hockeyeur, rugbyman et tout ça à la fois, quel athlète. Tu dois avoir un compte en banque à faire jalouser Neymar, je te cache pas. Ah t'es sérieux, en fait c'est juste un chômeur, là c'est juste les sports qu'il pratique dans son association à Marly-Gaumont, c'est ça que t'es en train de me dire? Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly-Gaumont. Salut, moi c'est Thème, 18 ans, je joue au foot, et si tu veux prendre une douche après le match, c'est quand tu veux. Salut, moi c'est Nico, 23 ans, je fais des pâtisseries, et si tu veux voir mon gland, c'est quand tu veux. Oh shit! Eh franchement, excusez-moi, mais je vous jure, c'est quasi pareil, sérieux. Bonjour, j'ai 23 ans, je m'appelle Guillaume, je travaille dans le marketing, et mon job, c'est de vous vendre du rêve. Quel mytho, tu crois t'as pas reconnu ou quoi? Et si t'as tout compris, c'est lui, le chanteur des bébés brunes. Dis-moi, si je dois partir ou pas. Salut, moi c'est Julien, j'ai 21 ans, j'aime bien le rugby. Je n'aime pas le physique, mais j'adore le corps à corps. Ah bah si t'aimes bien le rugby et le corps à corps, alors ça c'est cool hein, quand même. Ouais, c'est vrai, je savais pas quoi dire, mais dans sa présentation, il y avait rien qui allait, c'est pour ça. Donc ce sera next. Bon les mecs, c'est à moi. Vas-y, bonne chance. Je vous dis à la suite. Vas-y, peut-être dehors, hein. On se reverra. Je vais mettre le coup. Attends, j'ai bien entendu ce qu'il a dit là. Je vais lui mettre son coup. Et vous la prod, c'est normal, vous laissez cette expression de Jean-Kevin au montage. Non mais très bien, on va voir s'il y arrive. À ce rythme-là, vous allez peut-être nous montrer une sextape, je sais pas. Etem a 18 ans, il est fétichiste des pieds, il rêve de courir nu sous la tour Eiffel et il peut quitter une fille pour sa mauvaise haleine. Ah ouais, l'autre description quand même, ça doit pas être facile à assumer, je vais pas te mentir. Déjà, si t'es fétichiste des pieds, attention, je ne juge pas. Comment tu peux quitter une fille pour sa mauvaise haleine alors que les odeurs fétides, ça te connaît? Pop up punchline. Enchanté. J'aime pas du tout ta coupe de cheveux. Ah ouais? Next. C'est dommage, je préfère encore Madame Cinco. Ah ouais frérot, franchement tu lui as bien mis son coup, hein, respect, t'as été super efficace. Ça m'intéresse vraiment pas les sosies de Beyoncé, surtout quand ils sont ratés. Nul. Et dire que c'est le sosie raté de Michael Vendetta qui dit ça. Quelle audace. Oh, ça a été rapide les mecs. Ça a été rapide. Elle a pas aimé ma coupe. Sérieux? Comme ça, t'as la coupe de Mougli frérot aussi. Ego y'a mon clé dans la reine. S'ils sont retournés comme papin. Bitch, damn. Et je m'excuserai pas pour ce dab que j'ai effectué en 2018. J'ai la même coupe que lui, je vais me faire jeter ou pas? C'est mort. Je suis dans une merde de mort. File-moi un peigne, y'a un truc pour moi. C'est peigne frère, prends un balai là, chez Julien a 21 ans, il adore le body painting, il a un faible pour Paris Hilton et il va en cours uniquement pour draguer. Hâte de voir ça mon pote. Si t'arrives à repartir avec la meuf avec ce genre de chemise aussi ouverte que le trou de balle de Paris Hilton, je supprime ma chaîne. J'ai une petite surprise pour toi. Oh là, tu me fais un peu peur là quand même. Tu vas retourner dans le bus avec un petit cadeau. Ah mais non, ça c'est... Ah mais si. Non mais, ah, mais vrai, si. J'ai envie de te dire. Voilà, désolé pour la coupe au gel. Ouh là là, attention, grosse force de persuasion Julien. Eh hey, comment tu t'es fait bon sur mon frère. Eh
Poutine dit, dommage pour toi, parce que bon, chez moi, il n'y a pas que les drains qui faisaient 30 cm, mais bon. Adieu, mon pays. Sa ceinture, elle est comme lui, ringarde, et moi, les petits poulets, c'est pas mon truc, moi, je préfère les bons coqs. Royce a 21 ans, il est fan de Mozart, il a mangé plus de 200 moules en un seul repas et il est persuadé d'avoir la beau gosse attitude. Et dire que là, il va même pas en manger une seule de moule. Ok, je sors. Mais tu sais, genre au moment, il va coucher avec elle, genre il enlève sa chemise, elle, il y a un pull. Le meilleur pull. Il y a un gros pull. Et sous son pull, t'as un truc qui va pas, t'as une autre chemise, tu sais quoi. Après, t'as un vieux Marcel. T'as un polaire, après il enlève le polaire, il y a un manteau. Après, il enlève son pantalon, il a un vieux Diogo. Après, il enlève son... Eh les gars, franchement, dites-le si on vous dérange, je sais pas, au bout d'un moment, on a compris. Qu'est-ce que tu veux que je chante? Chante-moi un truc qui groove bien, un truc qui groove bien, et moi je te suis, je t'accompagne. Genre, next. Bon, c'est vraiment tes petits attirails à 2€ là. Vas-y. Guillaume a 23 ans, il est le roi du bilboquet. Il adore faire l'amour en gardant son casque de moto et il a déjà fantasmé sur un dauphin. Sans mentir, je pense que c'est une des descriptions les plus sombres que j'ai vues jusqu'à présent. Juste, laisse Flipper en dehors de tout ça et viens m'affronter au bilboquet, s'il te plaît. 1, 2, 3, vive l'Algérie! Ouh! T'as des taches sur ta chemise. Ouais, excusez-moi. Pourquoi tu veux que je mette tout ça? Tu kiffes les rastas, c'est ça? C'est ton je crois style. Que t'as un problème avec ta chemise. Même son coude, il cherche un échappatoire à l'émission. Ah, c'est vrai que c'est pas ma meilleure punchline, mais on fait avec ce qu'on a. Hein. Je vais tester un petit peu ta capacité rythmique, tout à fait. Je te laisse faire alors. Pas mal du tout. Tu fais la même chose avec les pieds ou pas? Non, s'il te plaît, fais pas ça. Je transpire des pieds en plus. Ah ouais, chaud, vivement que l'épisode il se termine. Woman, no cry. No. Woman, no cry. Yeah. Ah, le Julien, je sais pas, mais je le sens pas, tu sais, on dirait il est pas à l'aise. Attends seulement de te faire nexter, tu verras, tu seras beaucoup plus détendu après. Je veux que tu sautes sur le trampoline et que tu me fasses des positions sexuelles super sexy. Ah, attends, est-ce qu'on t'a déjà fait la levrette piquée? J'attends de voir. Et là, personne ne lui dit rien, genre vous le laissez s'enfoncer plus bas que terre, c'est normal. On aurait dit qu'on était dans les coulisses de l'entraînement des gymnastes français qui se préparent pour les JO de 2024 à Paris. C'est ici, à Bois-Colombes, près de Paris, que le collectif France s'entraîne. Sur. Bloc. Tu peux faire le N? Ouais, j'ai déjà fait, je peux te faire le N, ouais. Comme next. Next comme next. Ah franchement il était pas prêt, il était en mode Monsieur, si vous m'entendez, tirez-moi la main, ouvrez les yeux. S'il ne répond pas, il est inconscient. Next comme next. Comme next. Que je te fasse next au trampoline, pas de soucis. Comme next. Ah next. Next genre Genre next. Tu retournes dans le bus. Enfin, next. Next. Non mais... Next. Ouais next, genre tu te barres quoi. Bon, en tout cas, bien joué la technique de grattage de temps pour toucher un peu plus d'argent, t'as vu. Tu l'as serré, frérot. Ah non, je l'ai pas serré, il m'a next. Biatch. Ouais, bah alors... Attends, qui a dit Biatch là? Ouais, bah alors... Biatch, d'or. Alors, vas-y, raconte les histoires. Elle m'a saoulé, elle est pas du tout mon style. Bah ouais, laisse tomber. Il fallait un ego surdimensionné. Si elle t'a saoulé, tu sais quoi faire. Arrête de boire. Ok. A vraiment lourd de sens cette phrase, même Nekfeu il est jaloux là je crois. Vincent a 24 ans, il étudie le Kama Sutra depuis l'âge de 14 ans, il rêve de représenter une marque de préservatif et il déteste le camembert. Perso hein, à 14 ans je cherchais encore à battre Giovanni de la reine Jadiel dans Pokémon Feu. Ah toi tu blagues, mais son rhino féroce, hey, il était surpuissant. Tu peux te tourner? Ouais, voir ton parfum. Fais sentir, on peut pas voir un parfum. Je vous laisse avec la suite. Ah ouais, là, je te cache pas que c'est critique, parce que même le ballon, il est pas d'accord avec ce qui se passe. On dirait qu'il tente de la faire taire. Cindy, un grand plaisir de t'avoir rencontré. À la différence du ballon, tu voles pas du tout. Si, si, la punchline, mon rey. Juste, les deux là, on les a jamais vus au même endroit, au même moment. Je dis ça, ah, je dis rien. Il est où? Il est où? Il est où? Bonheur, il est où? Il est où? Il est pas dans le bus. Next.
Mais calmez-la, s'il vous plaît. Merde. Cindy, t'es frippé comme une citrouille, t'as les cheveux oranges comme une carotte, faut vraiment être un poireau pour sortir avec toi. Allez, dégage. Ouais, c'est vrai. Mais le poireau... C'est bon. Hashtag dédicace, si t'as vu l'épisode 4, TMTC, on finit toujours les vidéos comme ça. Eh bah dis donc, quel épisode incroyable une fois de plus. On a vécu un grand moment de la télévision aujourd'hui les amis, je vous le dis. Comme d'hab, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker et à partager surtout, ça me ferait méga trop plaisir. Allez, next. Non, allez, sérieux. Peace. Et voilà, c'est fini. Putain, je reviens toujours pas qu'on ait quasi 100 000 abonnés sur la chaîne. Eh, franchement, je vous kiffe, changez pas l'ami.